vidéo unboxing. Bienvenue dans ce nouveau décor. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc pour le moment j'ai mis un énorme tableau en fond histoire de camoufler un petit peu la misère derrière et tout le bazar. Ça va pas rester comme ça, hein. Là c'est temporaire. Je suis pas encore au top du top pour le son, donc il se peut qu'il y ait une petite résonance. J'en suis désolée, j'améliore petit à petit ma nouvelle pièce make-up. Je vous ai filmé une vidéo, la toute première vidéo après mon déménagement. Je vous l'accrocherai là-haut si vous l'avez pas vue. N'hésitez pas à aller la regarder après celle-ci. Et donc on se retrouve pour la première vidéo, un petit peu face cam si je puis dire. Et on va commencer par le unboxing de ce que j'ai reçu. Donc il y a des choses que j'ai achetées moi-même et des choses que j'ai reçues. Je vais vous en parler, on va déballer tout ça ensemble. Avant que je commence le premier colis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça me fait très 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 plaisir, ça m'encourage, ça me donne de la force. Et plus la communauté grandit, plus je peux vous faire des petits partenariats avec les marques, vous obtenir des petits codes promo. C'est ce que j'essaye de faire de plus en plus, vous faire de plus en plus de contenu aussi. Donc si vous êtes déjà abonné, je vous en remercie encore. Et si c'est pas le cas, vous pouvez appuyer sur le petit bouton rouge maintenant, avant que je commence le premier colis. Comme ça, ce sera fait. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Je vous accroche mon Insta là-haut. Et on va commencer par le tout premier colis, qui est le colis Sephora, il me semble. Donc ça, c'est une commande que moi, j'ai faite. Petite commande que j'ai reçue ce matin, n'est-ce pas? Donc j'étais euphorique. Je crois qu'on est toutes pareilles, hein. Quand on voit un colis Sephora dans la boîte aux lettres, on est euphorique. J'ai fait quelques petits achats là pendant les soldes. Franchement, j'ai été raisonnable. Très très raisonnable. Donc j'ai juste comme d'hab ouvert le colis et je vais déballer avec vous le contenu. Donc voici. J'ai pris cette fois-ci une petite boîte pour ne pas que tout se balade n'importe comment, parce que sinon ils foutent tout dans des sacs, ils en ont rien à faire. Donc ouais, ils m'ont mis la petite boîte, c'est pas mal. J'ai un petit mot. Ah oui, je m'étais mis un petit mot à moi toute seule. Je me rappelle plus ce que j'avais mis. Ah bah j'avais mis enjoy, voilà. C'était pour moi, je me suis dit comme ça quand tu recevras ta commande, enjoy. Donc on enjoy ensemble, c'est parti. En fait si vous prenez pas la boîte cadeau, vous recevez tout dans un sac comme ça, dans le colis, un peu en vrac et tout ça. Ça coûte rien du tout hein, de prendre la boîte cadeau, c'est gratuit. Ça se présente comme ça, c'est une petite boîte en carton avec un, voilà, un petit tiroir. Ça peut toujours servir après pour faire du rangement et tout ça. Je me rappelle plus ce que j'ai commandé, mais ça a l'air assez rempli quand même. Regardez-moi ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Merci. Oui. Alors, j'avais commandé plusieurs choses, des choses que je voulais depuis un petit moment, et puis des petites choses que j'ai prises parce que vraiment, elles étaient pas chères sur le site Sephora, avec pas mal de moins 70%. D'abord, je me suis pris deux sérums de la marque The Ordinary. Alors, c'est le sérum à la vitamine C, 23% de vitamine C. Sans silicone, voilà, il se présente comme ça. Là c'est tout blanc, je vais vous le montrer. Les packagings The Ordinary, de toute façon ils sont tous très minimalistes. Celui-ci c'est le gris, c'est pas les sérums avec les petites pipettes comme la plupart du temps chez The Ordinary. Donc voilà, j'en ai pris deux pots comme celui-ci parce que j'ai vraiment vraiment envie d'intégrer la vitamine C dans ma routine beauté. J'ai quelques produits à base de vitamine C, mais je voulais vraiment des produits, alors pas 100% vitamine C, mais là il y en a déjà 23%, ce qui est énorme. C'est fabuleux pour la peau, la vitamine C, ça va venir retendre vraiment les traits, donc atténuer un petit peu les signes du vieillissement, enfin les petites rides, les petites ridules, et ça va, comment dire, uniformiser un petit peu le teint quand on a des irrégularités. Voilà, ça va permettre d'uniformiser un petit peu. Donc ceux-là je ne les connais pas du tout, je vous dirai ce que ça donne, je ne les ai jamais testés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris une poudre Fenty Beauty que je veux depuis je sais pas combien de temps. C'est la fameuse poudre Pro Filter. Donc voilà, le packaging il se présente comme ça. Franchement la poudre elle a l'air énorme. Poudre fixatrice, retouche instantanée. Donc moi je l'ai pris en teinte cachou. C'est pas la plus claire, il y a pas mal de teintes quand même. Et cette poudre j'en ai entendu parler mais je sais pas combien de fois. Elle est notée comme une des meilleures poudres, que ce soit en France ou aux États-Unis. Une des meilleures poudres fixantes, matifiantes mais aussi lissantes, avec un petit poil de lumière à l'intérieur. Donc voilà, je voulais vraiment me l'acheter. Là c'était l'occasion, le packaging est sublimissime. Regardez-moi ce packaging, il est magnifique. C'est une merveille, je sais pas combien il y en a à l'intérieur, mais c'est énorme, 28 grammes de poudre, c'est énorme. Donc moi j'ai pas pris une translucide, j'ai pris une teinte un petit peu, vous voyez, cachou, c'est une teinte comme ça. C'est généralement la teinte que je mets en concealer ou en fond de teint. Donc je testerai avec vous en vidéo de toute façon ça. Dites-moi si vous l'avez cette poudre, c'est possible que vous l'ayez, hein, elle est très 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 connue. Ce que vous en pensez, et puis voilà, comme d'hab, dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris deux produits skincare. J'avais très 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 envie de tester la marque Used to the People. Vous avez dû en entendre parler aussi, notamment sur Instagram.
C'est une de ces nouvelles marques assez naturelles, green, etc. Donc c'est pas bio par contre, mais ce sont des packagings, voilà, très épurés, très minimalistes. Donc j'ai pris un masque visage et un contour des yeux. Vous voyez les packagings, ils se présentent comme ça. C'est très écologique, hein. Donc j'ai pris le masque visage Superfood, qui est à l'épinard, il me semble, spiruline, spirulina, micro-algues, épinard. Enfin voilà, il y a pas mal d'ingrédients minéraux et végétaux à l'intérieur. Et voilà, ça se présente comme ça, le pot. C'est fabriqué en Californie, voilà, c'est 100% vegan. Produit non testé sur les animaux, aux extraits de plantes pressés à froid pour tout type de peau. Donc ça, c'est un masque visage qui regorge d'antioxydants, de phytonutriments, d'acides aminés essentiels. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et le contour des yeux, il se présente comme ceci. Donc là, c'est pareil, énormément de plantes à l'intérieur, à base de choux frisés, d'épinards, d'aloe vera, de peptides et d'huile de tournesol. Ces éléments nutritifs vitaux nourrissent la peau pour lui rendre tout son éclat, son aspect lisse et jeune. Utilisé une à deux fois par semaine, etc. etc. Et c'est pareil, vegan, fabriqué en Californie, cruelty free, etc. Donc voilà, j'aime bien le concept de la marque. Et j'essaie de plus en plus de me tourner comme ça, au niveau skincare, vers des produits très très concentrés en ingrédients végétaux. Et ce sont les promesses de cette marque-là. Donc je vais commencer par ces deux produits, si ça me plaît. Je continuerai à tester la marque Use the People. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, je me suis repris un produit Pixie. Alors j'ai pris, c'est ça ouais, le nettoyant lissant donc pour le visage au rétinol et à la céramide au jasmin. Voilà, il se présente comme ça. Au début, je voulais me prendre une sorte de mousse nettoyante, mais comme j'en ai d'autres, j'ai préféré prendre une lotion. J'adore les produits Pixie, je vous en ai parlé énormément sur ma chaîne. C'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup aussi parce que leurs produits sont très, très concentrés en actifs. Et très efficace. Et celui-ci, je ne l'ai jamais essayé, donc on va voir ça. Le rétinol, c'est pareil, c'est un produit que j'essaie d'inclure de plus en plus dans ma skincare routine. Donc je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, j'ai acheté... Ah oui, ça c'était en solde. J'ai acheté ça parce que j'ai trouvé ça trop choubinou. En fait, c'est un highlighter Too Faced, donc de la gamme Tutti Frutti. Il se présente comme ça. Il était vraiment pas cher du tout. Je ne sais plus à combien il était, mais moins de 10 euros. Un highlighter liquide, regardez, il est trop mignon. Rien que le packaging, je craque. De toute façon, toute la gamme Tutti Frutti et la marque Too Faced en général, ils sont très forts pour faire des packagings comme ça, hyper cute et tout. Donc, qu'est-ce qu'il marque dessus? Non gras, goutte illuminatrice. Il s'appelle Fresh Squeezed Shake Me Baby. Donc, on va voir, on va le secouer. Qu'est-ce que... Voyons ce que ça donne. Ah, effectivement, c'est très, très... pigmenté, ça a l'air très lumineux. Je vais en mettre un petit peu sur ma main pour vous montrer un petit peu la texture. C'est très liquide, effectivement. J'ai l'impression que c'est un petit peu pailleté. Je sais pas si vous pourrez voir à la caméra. Regardez, on voit tout de suite quand même la lumière que ça apporte sur la main. Il y a des sortes de micro-paillettes un petit peu roses, dorées. Mais une fois qu'on étale le produit sur la main, elles se fondent, elles disparaissent. Ça fait plus effet paillettes. Et ouais, ça fait vraiment... Je pense que vous pourrez voir là, effet lumineux. Ça peut être très 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 joli sur le visage comme highlighter. Je testerai avec vous aussi en crash test, je pense. Ensuite, dans la rubrique moins 70%, il y avait une palette de chez Sephora. Donc ça, je l'ai payé 3-4 balles, un truc comme ça. Palette de fard à paupières. Donc je me suis dit, je l'embarque. Soit je la garderai pour moi, soit je vous la mettrai à vous dans un concours. Mais les teintes étaient vraiment très jolies. Alors, c'est la palette Arctic Eyes. Dans la palette de 8 fards à paupières. Je me présente comme ça, ça devait être une ancienne collection de Noël, j'imagine. Je viens de me péter un ongle en essayant d'ouvrir la palette. On est ravis. Je vais juste l'ouvrir, je vais pas swatcher les fards, parce que comme je vous dis, je sais pas si je vais la garder pour moi ou pour vous, mais je veux quand même vous la montrer. Voilà, pour 3-4 balles, ça valait vraiment le coup. Donc, le packaging, il est tout simple, hein, tout blanc. Ah non, il est pas tout simple, regardez, c'est un petit peu holographique. Super mignon. Voilà, ça s'ouvre comme ça, et regardez, on est sur des teintes nude. Mais on a du clair, on a du foncé, on a du mat, on a de l'irisé. Donc voilà, ça c'est le genre de palette qui sert toujours, avec lequel on peut faire des make-up simples, rapides. Toutes sortes de make-up d'ailleurs, vraiment simples ou un petit peu smoky. Donc voilà, pour le prix, j'en ai profité. Je vais arracher mon ongle. Oh là là, non mais regardez, c'est pas possible. Hein. Non mais regardez, voilà mon bout d'ongle et voilà mon ongle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, ça fait dégoûtant. Bon, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, à partir de, je sais plus combien c'était, à partir de 40 ou 50 euros d'achat, on avait le choix, comme souvent sur le site Sephora, il y a des petites boxes. Et alors moi, j'ai choisi deux produits, un Too Faced et un Tarte. Mais alors, ils m'ont mis ça dans un pochon. Non mais regardez, voilà, ils m'ont mis ça comme ça. Ils m'ont mis ça, franchement, Sephora, non mais... Les mecs, ils pourraient faire un effort, hein, je sais pas, moi je... Encore, j'ai demandé la boîte cadeau pour pas que tout se trimballe dans le colis, mais ils mettent ça n'importe comment, quoi, franchement, ils pourraient mettre, je sais pas, une petite boîte sympa, enfin, non, comme si on achetait un, je sais pas, des cacahuètes, quoi.
Bon. Bref, les deux produits ont l'air en bon état. C'est l'essentiel. Et donc, moi, j'ai choisi le cadeau avec un duo. À l'intérieur, un produit que je voulais tester depuis un petit moment aussi. C'est la fameuse huile tarte de maracuja. Je pense que ça se prononce comme ça, huile de maracuja. Elle se présente comme ça. Donc ça, c'est le format mini. Je crois que c'est pour le visage. Pas pour le corps, hein. C'est une huile pour le visage. C'est une sorte de sérum, en fait. Sérum en huile. Voilà, regardez comme c'est mignon. Même le format mini, il est trop choupinou. Et j'ai entendu dire par pas mal de youtubeuses que c'était une huile très très efficace, même si le packaging est très mignon, etc., qu'elle marchait super bien. Donc voilà, à tester sous forme d'échantillon, c'est pas mal. Et j'ai pris aussi, enfin il y avait comme cadeau, un petit produit Too Faced, qu'est-ce que c'est ça, de la gamme Hangover. Donc ça se présente comme ça, je sais pas, c'est un contour des yeux. Non, évitez le contour des yeux, c'est un peu, c'est une petite crème en fait. C'est un échantillon, enfin pas un échantillon, un format mini d'une crème, de la crème Hangover, pillow crème, crème de nuit. Trop mignon, ben voilà, comme les produits Too Faced, hein, c'est vraiment choupinou. Donc je testerai. La gamme Hangover, à ce qui paraît, est pas mal du tout. Je connais pas beaucoup cette gamme-là, donc ce sera l'occasion de tester. Ils m'ont mis bien sûr plein de petits échantillons. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les choisir, les échantillons, ça c'est pas mal. Donc moi j'ai choisi un échantillon du masque Sephora, masque peel-off point noir, désincruste et purifie, à l'acide glycolique, donc c'est comme ça. Et j'avais pas souvenir d'avoir choisi des échantillons de parfum, mais bon... J'ai eu le Flower by Kenzo, donc celui-ci, c'est le parfum de ma mère, je crois d'ailleurs. Enfin, c'était encore le Flower by Kenzo, parce que ça doit être un différent, j'imagine. J'ai eu la Vie est belle de Lancôme. Ah, mais il y a un petit crayon, tiens, j'avais oublié. Ah oui, parce que souvent quand c'est les soldes chez Sephora, les crayons ils coûtent 2 balles ou 2,99€. Donc il n'y avait plus beaucoup de teintes en solde, parce que les crayons Sephora comme ça, ils existent, je crois qu'il y a 20-30 teintes, enfin c'est un truc de fou. Et ils sont super, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Comme les crayons que je préfère, crayons petit prix, ceux de chez Sephora, ils marchent très très bien. Ils marquent tout de suite, je veux dire, ils sont gras, ils tiennent bien. Donc moi j'ai pris une des teintes qui restait en solde, qui est la teinte 51 Stone. Bon, je vais pas l'ouvrir maintenant, mais c'est une sorte de top un petit peu gris marronné. Voilà, pour les yeux, pour intensifier un petit peu le contour des yeux et tout, c'est très bien comme teinte. Et puis voilà, hein, Sephora, je crois que j'ai tout unboxé. Voilà ma petite commande solde, vous voyez, j'ai été raisonnable. Hein. Franchement, j'ai pas fait des folies. En même temps, ce que je voulais vraiment était en rupture de stock. Donc quelque part, ça m'arrangeait un petit peu. On continue, colis suivant. Alors, ah oui, ça, il faut que je vous en parle. C'est une box que j'ai reçue. Parce que voilà, jusqu'à présent, c'est des choses que j'ai achetées. À partir de maintenant, on va passer aux choses que j'ai reçues, donc gratuitement. Puisque je vous ai dit que je commençais petit à petit des partenariats. Pour moi et pour vous, hein, surtout. Et alors, j'ai rencontré sur Instagram VirginieBox974. Je vous mettrai les infos de toute façon dans la vidéo. Et puis aussi dans la barre d'infos. Qui est en train, donc c'est pas encore opérationnel. Ce sera opérationnel en septembre. Si je ne me trompe pas, de toute façon Virginie... N'hésite pas à mettre dans les commentaires les infos de ton site, surtout, hein, vas-y. Virginie est en train de créer un site donc, de beauté en collaborant avec différentes marques et elle va notamment créer des box avec 3-4 produits, des produits qui seront plutôt surprises. Et donc si je ne me trompe pas, ce serait 20€ la box, voilà. Mais je vous en reparlerai plus précisément quand le site sera ouvert, quand j'aurai plus d'informations là-dessus. Et en attendant, voilà, n'hésitez pas à aller voir les commentaires. Virginie, si tu mets un commentaire en décrivant un petit peu plus le fonctionnement de ton site d'internet, je l'épinglerai tout en haut pour que tout le monde puisse vraiment comprendre. J'ai un petit mot donc de Virginie justement. Camille, voici ta toute première box. Bon, le reste, je le garde pour moi, mais je trouve ça génial ce principe parce qu'il en existe pas mal des box, mais toutes ne fonctionnent pas à La Réunion déjà. Voilà, de pouvoir avoir des surprises tous les mois de marques connues, reconnues, de qualité. Pour le moment, je ne peux pas vous dire exactement, mais je vous en reparlerai, c'est certain. Alors, dans le colis, vous voyez, j'ai deux choses. Donc, j'ai d'abord ce petit sac. Ben justement, on va pouvoir découvrir ensemble le contenu d'une box, par exemple. Donc ça, vous allez pouvoir voir en même temps que moi quel type de produit vous pourriez recevoir en commandant cette box. Alors, oh là là. Oh, je suis contente. Je vois déjà ce que c'est. Alors, dans la box, j'ai reçu d'abord le crayon à sourcils Benefit, qui est mon crayon à sourcils préféré. Je trouve que c'est... le meilleur, le fameux Precisely My Brown Pencil, celui-ci. Et alors, elle me l'a mis en teinte 3.5, ce qui va aller pour moi, puisque moi j'oscille entre la teinte 3.5 et la teinte numéro 5. La teinte 3.5, c'est entre le marron, le gris, taupe. Ouais, ça va aller, ça va aller très très bien. Et ce crayon à sourcils, je le connais très très bien, j'utilise tout le temps. C'est une valeur sûre.
Je vous dis, c'est le meilleur que je connaisse. Si vous en cherchez un bon, prenez celui de chez Benefit, c'est le meilleur. Ensuite, ah, justement, dans la box, j'ai un produit d'une marque que je veux essayer aussi, c'est la marque Rennes. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, la marque Rennes, qui est en train de se développer aussi. Et alors ça, c'est quoi? Lotion éclat radiance avec des AHA. Ah, bah, c'est parfait. Mais c'est parfait, c'est parfait, c'est tout ce que j'utilise dans ma routine. Les AHA, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les acides. Je vous avais parlé des AHA, des BHA, du rétinol, de l'acide hyaluronique, qui sont des acides de fruits qui vont venir vraiment exfolier la peau en profondeur. Donc voilà, ceux de la marque Rennes, j'ai jamais testé. Je pense que je vais l'ouvrir dès ce soir. Et j'ai un troisième petit produit, donc, qui est de la marque Clarins, que j'adore, hein, je pense que vous le savez. C'est un masque de nuit relaxant de la marque, plus précisément My Clarins, et donc la gamme, parce que My Clarins a sorti plusieurs gammes aussi, ça c'est la gamme Recharge. Et bien je connais pas du tout, je connais la gamme Reboot, ouais, mais pas Recharge, masque de nuit. Bon ben My Clarins, j'adore, à tester aussi, franchement je suis super contente. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup beaucoup. En tout cas les trois produits de cette box, ces trois produits que je serais susceptible d'acheter moi-même. Donc ouais, je suis vraiment contente. Et je vois qu'il y a un petit bonus. Qu'est-ce que... Ah, c'est un masque de nuit. Oh là là, regardez. Voilà, le quatrième produit, c'est ça. C'est un masque de nuit. Mais moi, j'adore. Parce que moi, je mets des masques de nuit toutes les nuits. J'ai besoin de noir et de silence pour dormir. Oh, c'est parfait. C'est trop mignon. C'est trop doux. Regardez, avec un petit chat comme ça. Eh, c'est trop, trop bien. Je suis trop contente. Écoutez, c'était la première box. Mais en tout cas, je suis ravie. Je te remercie encore Virginie, moi je vais continuer avec ces box là parce que ça me plaît, je te fais confiance. Et puis j'ai aussi envie d'encourager les petites créatrices comme ça, de beauté quoi, tout simplement. Quel que soit le concept, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je vous promets que je vous en reparle dès que j'ai plus d'infos. Et justement, en parlant d'encourager des créateurs, nous allons unboxer le dernier colis. Je vous dis encourager des créateurs parce que je sais ce que c'est. Donc c'est pas du make-up et c'est pas du skincare. C'est un petit peu particulier, mais nous allons parler de règles. Parce que je crois que nous sommes quand même plus de 99% de femmes sur ma chaîne. De femmes, pour la plupart, en âge d'avoir leurs règles. Je vais pas vous faire tout un speech hein, sur les règles. Je pense qu'il y a 10 000 vidéos YouTube là-dessus. Mais ce que j'ai tenu à faire pour vous, c'est créer un partenariat avec une marque que j'ai découverte il y a peu de temps et qui a changé ma vie. Je vous fais un mini récap en quelques secondes. Moi, jusqu'alors, enfin jusqu'à il y a quelques mois, pendant mes règles, j'utilisais, ben, comme la plupart des nanas, je pense, voilà, des tampons, des serviettes, ce genre de choses. J'ai essayé la cup, je n'étais pas très convaincue, voilà, je ne suis pas très à l'aise. Mais moi, je fais partie de cette génération où on n'avait pas vraiment le choix en termes de protection hygiénique. Quand on avait nos règles, généralement, voilà, notre mère nous tendait ben, soit des tampons, soit des serviettes, etc. Et j'en avais vraiment, vraiment marre d'utiliser ça, non seulement pour le côté pratique, parce que voilà, c'est quand même galère, c'est presque une semaine par mois de galère, et aussi pour le côté santé, parce que de plus en plus on sait ce qu'il y a dans ces protections voilà, hygiéniques, c'est très très mauvais pour notre corps, ça peut provoquer des maladies, des infections, enfin... Voilà, c'est pas bon, donc j'avais vraiment envie de passer à autre chose. J'ai entendu parler des culottes de règles, des fameuses culottes de règles. Je me suis dit, c'est génial, ce truc-là, si ça marche, ça peut être un truc de fou. En regardant une vidéo de Manon, donc d'Irene Taya, j'ai eu un code promo de 50% pour commander une culotte de règles de la marque Veichi. Donc je me suis dit, je tente. J'ai reçu ma première culotte de règles, ça m'a changé la vie. Franchement, je peux même pas vous dire autre chose, c'est que ça m'a changé la vie. Ça fonctionne tellement bien que je crois que le seul mot que je pourrais vous dire, c'est liberté. Liberté d'aller, liberté de venir, pas de soucis, c'est extraordinaire. Donc du coup, j'en ai racheté d'autres parce qu'une culotte de règles ne suffit pas à faire un seul cycle. Et j'ai été tellement convaincue par ce produit que j'ai sollicité moi-même la marque pour leur demander s'il était possible de collaborer avec eux, d'avoir un petit code promo pour mes abonnés, etc. Ils m'ont répondu oui. Donc j'ai reçu, on va voir ça, normalement une deuxième culotte de règles de la marque Veichi. Donc, et si j'ai souhaité aussi collaborer avec cette marque-là, c'est non seulement parce que j'ai acheté leurs produits et que j'en ai été vraiment convaincue, mais aussi parce que c'est une marque française. La plupart des culottes de règles qui sont vendues sur le marché aujourd'hui ne sont pas fabriquées en France. Et voilà, même si c'est pas grand chose, moi, ma petite chaîne YouTube, j'essaie quand même de, voilà, de favoriser les produits du mieux que je peux, en tout cas fabriqués en France. Là, par exemple, j'en porte une sur moi, parce que je suis en période de règles. Je n'ai
aucun souci. Je suis tellement confortable, j'ai aucun souci de fuite. L'absorption, elle est parfaite. Moi, je la garde généralement toute la journée. J'ai un flux normal, hein. J'ai ni un flux hyper abondant, ni un flux léger, j'ai un flux normal. Et puis, c'est tellement confortable. Les culottes de Reg Veichy, elles sont vraiment faites pour englober vraiment bien le corps, les hanches, les fesses, etc. Donc au-delà de la culotte de règle en elle-même, c'est un sous-vêtement qui est tellement confortable. C'est vraiment un truc de fou. Moi, c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Alors, quand on reçoit la commande, voilà, on a d'abord un petit papier comme ça, un petit peu explicatif de la marque. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi, sur la marque? Voilà, que c'est une marque française, que les dessous sont fabriqués pour toutes les tailles, du XS au XXXL. Vraiment, il y en a pour toutes les formes et toutes les tailles. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa aussi. Si vous allez voir sur le site, vous verrez que c'est une marque qui a été conçue pour toutes les morphologies de femmes. Et ça, je trouve ça très intelligent, voilà, et vraiment respectueux de la femme. On a plusieurs modèles, donc il y a les culottes de règles, les shorties de règles, les strings de règles, voilà, il y a pas mal de modèles selon ce que vous préférez porter. Il y a plusieurs couleurs aussi, il y a vraiment un choix assez intéressant. J'ai été livrée en 48 heures, ce qui est quand même assez exceptionnel. J'habite à La Réunion, hein. J'habite à La Réunion en 48 heures. Donc ça, c'est quand même assez fou. La compo est super clean. C'est du coton, du polyester et du spandex. Et alors voilà, quand vous recevez la commande, donc ça se présente à l'intérieur du carton, on a un deuxième carton Veichy. Alors le premier que j'avais reçu, il n'était pas comme ça. Il était orange avec un petit cordon doré. Vraiment comme une boîte cadeau hyper sympa. Donc vous ouvrez la boîte comme ça. Là, on a le dessous qui est bien protégé dans un petit papier hein, de soie. Et alors moi j'ai repris la même. En fait je reprends toujours les mêmes. Moi je prends noir et taille M. Habituellement je fais plutôt du S, mais ça taille quand même un petit peu petit je trouve. Et donc comme le but c'est vraiment d'être confortable, moi la taille M me va parfaitement. Je vous conseille plutôt de prendre la taille au-dessus de ce que vous prenez habituellement, comme j'ai fait moi. Et voilà, ça se présente comme ceci. Donc ça, c'est la noire M classique. Tout le long de la culotte de règle, on a des petits... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits trous comme ça qui font que on est hyper aéré, ça tient pas chaud. Je pense que c'est aussi pour les odeurs. Et toute la partie qui est grise, en fait, vous voyez, qui remonte jusque derrière et qui commence ici devant, et la partie absorption. Sachant qu'il y a trois couches d'absorption, mais j'ai du mal à dire absorption. Je vous laisse aller voir sur le site. Chaque couche a sa fonction, il y en a une pour les odeurs, etc., etc. Et personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème de fuite avec ça. Généralement, je vous dis, je la mets vers 8h du matin et je l'enlève avant de prendre ma douche le soir, aux alentours de 18-19h. À la fin de la journée, je sens que c'est le moment de l'enlever, mais elle me tient toute la journée. Je n'ai pas besoin de changer pendant la journée. Ça se lave à la main, ça se lave en machine, bien sûr. Et depuis que j'ai ça, je vis mes règles complètement différemment. Je ne me pose même plus la question de devoir aller aux toilettes pour me changer, quand est-ce qu'il faut que je me change, etc. Je mets ma culotte de règle, je la laisse toute la journée et là je vous en parle après avoir fait à peu près 6 cycles avec, donc depuis 6 mois. J'attendais aussi d'avoir ce recul pour vous en parler vraiment. Pas de souci de fuite, pas de souci d'odeur, pas de souci de confort, bien au contraire. Je trouve que c'est même encore plus confortable que mes autres sous-vêtements. Enfin voilà, je suis pas encore... très aguerri sur les partenariats et mon but c'est pas de vendre la marque, mon but c'est simplement voilà, de vous parler d'un produit que j'ai découvert qui personnellement a changé mon quotidien et voilà, de vous offrir ce code promo de moins 15% si vous le souhaitez. Moi ça me rapporte rien du tout hein. je touche pas de commission dessus ni rien, c'est juste pour vous si vous souhaitez essayer. En tout cas je vous afficherai le code promo là dans la vidéo si vous souhaitez faire une commande. J'en bénéficie aussi, ce qui me permet d'avoir 15% sur mes futures commandes, puisque moi l'objectif à terme, c'est d'avoir 7 voire 8 culottes de règles pour pouvoir faire tout un cycle avec et être tranquille pendant 10-15 ans quoi. Faire des économies parce que le budget protection hygiénique par mois est quand même super important. C'est bon pour l'écologie évidemment aussi, parce que quand on voit le nombre de déchets de protection périodique qu'on balance, c'est quand même assez incroyable. Et aussi pour le confort et le bien-être, c'est fabuleux. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en parle plus précisément, je pourrais faire une vidéo plus précise là-dessus. C'est pas forcément le sujet le plus glamour de la Terre, mais on est toutes concernées, ça concerne quand même un quart du mois. donc voilà, c'est important de se sentir le mieux possible pendant cette période. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, il y a sûrement plein de questions auxquelles je ne pense pas ici, tout de suite, maintenant. Demandez-moi tout ça dans les commentaires si vous voulez plus de précisions, je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Mais moi je n'ai aucun point négatif
je n'ai trouvé aucun inconvénient à cette nouvelle protection hygiénique. Au contraire, ça m'a, je crois que je le dis pour la cinquième fois de la vidéo, mais ça m'a changé la vie. Voilà, le seul petit truc peut-être, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que je peux vous conseiller, c'est de prendre la taille au-dessus de votre taille habituelle pour être vraiment bien, bien, bien à l'aise, ne pas avoir un petit peu, vous savez, les poignées d'amour sur le côté, voilà, vraiment être confort, quoi. Et bien voilà, j'ai unboxé la plupart des choses que j'ai reçues, mais j'attends encore d'autres colis, donc on se retrouvera très, très vite pour un prochain unboxing, mais là je pense que c'est déjà suffisant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à profiter de ce code promo en tout cas. C'est vraiment pour vous que je l'ai obtenu. Moi je touche rien, je l'ai demandé pour vous. Parce que si moi ça m'a changé la vie, je suis sûre que ça peut aussi vous changer la vie. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, surtout. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez bien soin de vous. Bye bye.